Eh bien salut tout le monde, alors là il y a juste une petite minute en différé les amis, donc là vous allez voir en direct l'obtention des 8000 points de succès. C'était un succès monstre, c'était le succès justement de la zone forêt des pins perdus. Juste une rapide minute les gars à vous dire justement concernant cette vidéo, s'il vous plaît n'hésitez pas à vraiment, s'il y a bien une vidéo généralement qui attire énormément de joueurs, c'est ce genre de vidéo. De nouveaux abonnés etc, c'est le genre de vidéo j'accepte les succès. Là vous allez voir, j'ai accepté 8000 points, c'est pas du putaclic etc, c'est vraiment 8000 points de A à Z. J'ai fait cette aventure à zéro il y a 2 mois, aujourd'hui c'est la concrétisation de 2 mois de travail. Donc s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les gars, je vous assure ça me motive encore plus, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. N'hésitez pas également à bombarder les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et surtout n'hésitez pas voilà à partager la chaîne si jamais voilà vous avez des gens de votre entourage qui ne sont pas encore abonnés. Sur ce les potes, je vous laisse en direct les gars pour la réaction en direct où j'accepte les 8000 points de succès. Bon visionnage à tous les gars et puis portez-vous bien. Eh bien salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui généralement attire pas mal d'abonnés qui regardent, ou même de nouveaux joueurs, de nouveaux abonnés même qui arrivent sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, un peu plus de 2 mois après le début de cette aventure à zéro, j'ai pu accumuler, alors là je vais vraiment aller vite, hein. Ça va être très rapide cette vidéo, j'ai pu accumuler 8000 points de succès dans cette aventure à zéro sur Hagrid avec ma team succès qui est composée de Yop, Zobal, Roublard, Panda. Je suis actuellement niveau 192, je me suis mis exprès 0% pour accepter les succès, évidemment sinon je suis en 5%. Je fais juste une mini pub. Ma guilde recrute toujours, il nous reste 9 places actuellement. Il y a des gens qui commencent à être inactifs, donc je les re-kick à nouveau, etc, etc, etc. Donc s'il y a des joueurs actifs qui veulent venir, on recrute tout niveau. Tant que vous êtes actif, il n'y a aucun souci, je peux vous inviter. Il suffit de me contacter moi ou un bras droit qui est Monkey par exemple. Tout simplement. Du coup les potes, on va arrêter de blablater. Donc 8000 points de succès les gars, je vais tout accepter, je n'ai accepté aucun succès, j'ai pu réaliser l'exploit, il y a 2 jours j'étais à 7000, il y a 2 jours j'étais à 7000 points de succès, donc voilà, hier j'ai pu les débloquer, j'ai pu débloquer cet ornement magnifique des 8000, je le trouve vraiment, pour une fois que j'ai un bel ornement j'ai envie de dire dans le jeu, hier pareil j'ai pu trouver le roi 5, je l'ai fait repop plusieurs fois, donc ça c'était cool. Après bah voilà les gars, il y a eu une ascension de donjon, Glour Céleste. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mon aventure, pas du tout. Donc j'ai commencé début février. Donc là on est début avril, on va dire. J'ai pu acheter des Dofus Veilleurs, ça très important, parce que quand j'ai fait le donjon contre Azoth, j'avais besoin d'un petit peu de soins. Contre Azoth c'était un petit peu chiant. Mais voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure du tout ou partiellement, j'ai fait les quêtes du Dofus Emerald moi-même. Je les ai pas achetés. Et concernant les kamas, c'est la haise depuis le début de l'aventure. C'est-à-dire que j'ai pas de kamas. J'essaie pas de me faire des kamas. Le but de cette team succès, c'est pas de se faire des kamas en fait. Le but, c'est juste d'avoir un maximum de succès, de monter un maximum dans une aventure à zéro avec une team de 4. Ce qui signifie que je suis niveau 192, toujours en panneau rat noir, rat blanc. Mais avec cette panneau là, j'ai géré tous les donjons 1 à 190. Sauf le Kral Amour, parce que le Kral Amour, ils l'ont pas ouvert. Récemment, j'ai fait Ombre, j'ai fait le contre Azoth, tout ça en panneau rat, Glour Céleste en score de 100, Groloom score de 100, Blitzkrieg, bref, tout ce que vous voyez ici, que j'ai réalisé en succès, tout ce que vous voyez ici, je l'ai fait en panneau rat blanc, rat noir, sans Exopéa, sans vraiment avec des stuff, c'est le minimum quoi, tout le monde, en fait finalement, ce que je peux faire, tout le monde peut le faire, parce que je suis parti d'une aventure à zéro, je pars de rien. Et c'est juste la compo qui fait que, et également si vous savez jouer vos classes, si vous savez jouer un Yop, bon Yop c'est pas très compliqué, Panda non plus, Zobal non plus, Roublard voilà il faut un minimum de skill, un minimum, je suis pas un pro Roublard mais voilà. Enfin bref les gars, je vais arrêter de blablater, donc voilà mes nouveaux ornements, 8000 points de succès, je vais essayer de monter à 10000 points de succès avant la fin du mois, car comme vous le savez début mai je devrais... tout simplement récupérer ma team de 8 dans l'espace de 3 semaines à peine. Je vais essayer d'avoir 10000 points de succès. Ça va être très compliqué parce que niveau donjon là ça commence. Bon, tout ça là je vais pouvoir le faire dès que je vais me stuffer. À la fin de cette vidéo j'espère avoir assez de kama. On verra bien. Mais voilà, je vais juste faire une pause les gars. Je vais échanger parce que ce que je vous ai pas montré, c'est que du coup
Là, j'étais en ascension de donjon. Comme je vous ai dit, j'étais à 7000 points. J'ai dû prendre un screen, voilà. J'étais à 7000 points il y a 2 jours. C'était le 8 avril, bon, 2-3 jours maintenant. Là, je suis à 8000. J'ai vraiment full farmé. J'ai fait du Ouga score 200 en succès collant. Le Toxoliath que j'ai géré en première tentative avec un châle, double succès. Le Colossof, le succès premier, dernier score 200. Je les ai, voilà, j'ai tout farmé vraiment. Là, il me reste que. D'ailleurs, j'ai même fait le donjon pervers. Alors, lui, là, il m'a cassé la tête en premier. J'ai dû mettre un cube magistral carrément pour. Parce que bah, j'avais pas le choix, il y avait un partage de dégâts. Mais voilà, autant vous dire, les gars, ça a été une ascension. Là, regardez, je vais transférer toutes les ressources que je me suis fait en farmant les donjons 150 à 190. Je me suis fait 1,2 million de ressources par personnage. Ça, c'est une réplique du Dofus Emerald. Ça, comment est-ce qu'on l'a? C'est en allant dans l'Avresac. Je vais également donner tous les kamas des mules. Je vais les donner sur mon yop. Bon, j'ai pas grand chose. Hein. Pour ceux qui se demandent, ça c'est quoi? Les 600 000 kamas? C'est le tour du monde ou l'almanax. Tout simplement. L'almanax, d'ailleurs, je suis au donjon Mercator. Par ailleurs, je vous ai pas montré un truc. J'ai investi dans les baguettes des limbes sur le panda pour le passer en 11 PA 6 PM et également sur le roublard pour le passer en 11 PA 6 PM. Le roublard, j'étais pas obligé. Mais le panda, il fallait vraiment que je joue en 11-6 parce que ça... En fait, quand je suis passé de 10-5 à 11-6, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais. Je gagne 1 PA, 1 PM, 1 PO, donc pour moi, c'était vraiment obligatoire. Finalement, j'aurais dû faire bien plus tôt la baguette d'âme qui est équipable au niveau 105. Je sais pas si j'ai donné les kamas sur les... Là, regardez, j'ai pour 1,6 million de ressources. Comment c'est possible avec le Zoban? Ah, mais c'est... Attendez, je crois que c'est parce que sur mes mules... Attendez. Non, j'ai cru que j'avais des ressources ici. Mais finalement, non. J'ai dû déjà faire les échanges, un petit peu d'échanges avant alors. Donc là, j'ai encore des kamas, je crois que sur le roublard. Il me semble que je les ai pas donnés. Voilà, parfait. Toutes les ressources ont été enlevées. Tous les kamas ont été enlevés. Donc là, je suis à la banque de Saharash, les gars. Et on va mettre tout simplement... Voilà, on va vider tous les persos, évidemment tous les kamas aussi du hop, on va les mettre. Voilà. Tac, en tout cas les gars, n'hésitez pas à faire une estimation avant que j'accepte les succès dans quelques secondes. N'hésitez pas à faire une estimation les gars parce que ça va être monumental. Moi j'espère me faire au moins 7 millions de kamas en cash. J'aimerais bien m'en faire 8, même 10 en fait. Il me faut vraiment le maximum de kamas pour me stuffer niveau 199 parce que les stuffs coûtent assez cher sur Hagrid. Ok, donc ça c'est bon. Ah, ça c'était le mien, je vais le récupérer. Ça c'était le surplus, hein. J'ai dû faire plusieurs donjons skunk pour ceux qui se demandent. Mais grosso modo, voilà les gars, donc j'ai 0 kamas sur mes personnages, j'ai 0 ressources également. Voilà, on va revérifier une dernière fois. Juste la réplique du Dofus Emerald. Voilà, ça on l'a dans l'Avresac, hein, dans la loterie quotidienne. 0 Kama, 0 ressources également sur le Panda et sur le Zobal, sur le Yop aussi. Et 0 Kama et 0 ressources sur le Roublard également. Bah écoutez, je crois que tout est ok. Après 7 minutes de blabla, il est temps tout simplement d'accepter les succès, les gars. Moi je vous l'ai dit, je mise, j'espère du fond du cœur que ces 8000 points me rapporteront au minimum 7 millions de kamas en cash, j'espère même 8 millions parce que je sais que j'avais fait une vidéo, je l'avais revue là il y a quelques jours, j'avais accepté entre 3000 et 7000 donc ça faisait 4000 points, j'avais accepté 4000 points, je m'étais fait je crois 4 600 en cash, donc là logiquement dans la logique des choses, je devrais, pour 8000 points normalement je devrais me faire au moins 7 millions, 8 millions, au moins. Au minimum. En termes de ressources, je sais pas. J'espère viser les 10 millions en valeur de ressources. Je vous cache pas que j'en sais rien du tout. Enfin bref, on va arrêter de blablater. Tout est ok. Tac, la Katsuki, évidemment, qui est toujours présent. On va commencer par l'Yop. On est bien 0% guide. On n'est pas sur les dragos d'Inde. Et puis bah c'est parti les gars, 8000 points de succès, c'est énorme. J'ai jamais fait ça en vrai, 8000 points sur 4 persos. Autant de succès sur 4 persos, j'ai jamais fait. J'en suis sûr et certain. J'ai déjà fait 3000, j'ai déjà fait 4000 ou même 5000 ou 6000. Mais 8000 j'ai jamais fait. Enfin bref, en tout cas les gars, c'est en tout cas les amis, c'est parti pour le... Regardez juste le nombre de succès qu'il y a. Il y en a 8000, c'est aussi simple que ça. Les seules fois où j'ai accepté un succès, bah, c'était juste pour obtenir le Dofus Emerald et le Dofus Pourpre.
parce que bah, si j'accepte pas le succès, j'ai pas les Dofus. Donc c'est les seules fois, avec l'argenté aussi, hein, en gros, grosso modo. Mais sinon, tout le reste, j'ai jamais accepté de succès. Tout ça, c'est du donjon, de l'exploration. C'est, vous le voyez ici, exploration, j'ai pratiquement 100%, ça je l'ai fait hier. Succès monstre aussi, j'ai fait le maximum que je pouvais. Il y en a que je peux faire, mais c'est des donjons 150, 100, enfin 190, 200. 1,50, je suis à 100%. 100, 150, il me reste pas mal de duos. Ça, je les ferai bah, dès que je reste fait 199. 150 à 190, j'ai fait tous les donjons avec le maximum de score de 100. Mais il y a des trucs que je pourrais refaire quand je reste fait 199, encore une fois. Enfin 198, on va dire au minimum. Et puis, bah, donjon 190 à 200, j'en ai pas fait. Mais en toute franchise, j'aurais pu largement faire le climb par exemple. Peut-être même le Nilesa, j'aurais peut-être pu le faire avec la Panora. J'ai quand même 3000 de vita. Mais le reste, ça aurait été un peu plus compliqué. Enfin bref, allez les gars, c'est parti. Je suis désolé si j'ai parlé beaucoup, ça fait déjà 10 minutes. On est parti les gars, portez-moi chance. On est niveau 192. On a... Je vais juste noter ça les amis, et après je vais accepter. On a 2 milliards 443 millions d'XP. Voilà, j'ai noté, au moins comme ça on saura combien d'XP ça va me faire. Des centaines de millions, ça c'est sûr. Enfin bref, c'est parti les gars, est-ce que vous êtes prêts? Let's go, que la chance soit avec moi et les kamas soient avec moi. Let's go. On accepte tout, ça va me faire le gain, c'est obligé. Alors on peut voir que ça défile assez bien. Pour le moment je up pas. Oh là, là les gars, je suis en train. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais c'est en train de défiler de ouf. On a pris déjà un niveau. Attendez, je vais juste faire ceci. On up niveau 193. Est-ce que si je mets en qualité moyenne, ça accélère plus? Ouais, là c'est en train de défiler, les gars. Là c'est en train de défiler. Eh, je suis en train de tout voir, les gars. Vous voyez aussi la barre d'XP. Je vois tous les kamas en fait. Je sais pas si vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Tous les kamas, toutes les ressources qu'il me donne. Tout l'XP qu'il me donne. Regardez là, je vais arriver niveau 194. Par contre, ce que je comprends pas, il y a déjà des gens qui ont vu des anciennes vidéos à moi où j'acceptais les succès. Ça allait beaucoup plus vite que ça. Est-ce que c'est parce que j'ai mis la qualité supérieure sur les autres persos qui fait que ça fait bugger? Je sais pas. À moins qu'en fait, non, je pense que surtout il y a trop de succès. Là, il y a 8000 points de succès. Et du coup, en fait. Ouais, je sais pas. Et là, les gars, bah là, je vais up niveau 194. C'est incroyable. Regardez le nombre de succès qu'il y a. Là, c'est en train d'aller un peu plus vite, j'ai l'impression. C'est en train d'aller un peu plus vite. Hein. Incroyable. Hop, on a déjà pris 2 niveaux, les amis. Là, c'est en train d'aller un peu plus vite. Ouais, on a déjà pris 2 niveaux. Bah écoutez, pour le moment ça se passe bien. Il nous reste encore plein de succès en fait. Donc là je vois tous les camas, etc. Mais c'est vrai que de mémoire, je me souviens d'un truc qui allait beaucoup plus vite. Mais là j'ai l'impression que soit c'est parce que j'ai mis mes 4 persos en qualité supérieure. Pourtant là je viens de le mettre en qualité inférieure. En fait ça a pas bougé. En fait j'aurais dû le faire depuis le début ça. Est-ce que ça va plus vite là? J'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Parce que moi je suis persuadé d'une chose les gars, c'est qu'en fait, là si je vais sur mon panda, je sais que tout a été plus vite. Genre je sais que là ça se trouve c'est déjà terminé en fait en un clic. Mais je sais pas. C'est incroyable, enfin bref, je savoure ce moment, apparemment là en qualité inférieure ça va encore plus vite. Je viens d'être niveau 195 et j'ai encore énormément de succès apparemment. Regardez ma barre d'XP, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'œil et qui regardent ma barre d'XP. Regardez la barre d'XP. C'était incroyable. C'est bon les gars, en fait, il fallait que je mette en qualité inférieure. Là, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, les gars. On était 192, on va up niveau 196. Et il nous reste encore. Il nous reste encore. Il nous reste encore. On up 196. Incroyable, ça va très vite, là. Incroyable. Regardez, on a up 196. C'est ce que je vous ai dit, je voulais up au moins 196. Et c'est bon. On a pris 4 niveaux. Autant dire pratiquement, je pense, 800 millions d'XP.
C'est une dinguerie, les gars. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais prendre au minimum 4 niveaux. Et au final, ça a été chose faite. Comme quoi, j'ai bien. Mes prédictions ont été bonnes. Maintenant, le plus important, c'est est-ce que les prédictions. Regardez, là, il y a encore les ressources. Je sais pas si vous voyez. Il y a les ressources, voilà, qui affluent. Regarde, encore, hein, je pense que ça va durer au moins 10-15 minutes, si ce n'est plus. C'est toutes les ressources que j'ai gagnées avec les succès. Donc là, pendant 4 minutes, ça a été ouais, vraiment dingue. Enfin bref, on va regarder les gars, allez, on croise les doigts. Moi, j'espère au moins 7 millions. Pour moi, s'il n'y a pas 7 millions en cash, c'est que c'est un échec. Donc c'est parti. Oh là là. Bref, je sais pas quoi dire les gars, c'est incroyable. 10 millions. 10 millions tout pile. 10 millions tout pile. Tout pile, incroyable. Incroyable. Incroyable par personnage, ça fait 40 millions les gars, je suis refait. C'est ce que je vous disais. En fait, je vais pas vous mentir, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Moi, je voulais en fait, j'espérais du fond du cœur que j'atteigne les 10 millions de Kama. Oh, ça voilà, ça aurait été un chiffre symbolique. Je vous ai dit 7 millions parce que c'était le minimum requis. S'il y avait pas 7, j'aurais été déçu. S'il y avait à partir de 8, ça aurait été déjà pas mal. Mais 10 millions, c'était vraiment ce que je voulais. Maintenant, on va voir en ressources. Et 10 millions en ressources aussi. Donc, ça fait 20 millions. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. 8000 points de succès. Incroyable. 950. Incroyable les amis, c'est du jamais vu. Alors là, j'ai jamais gagné autant sur un perso. Incroyable. Oh la vache. C'est un truc de malade les amis. Je sais pas quoi vous dire, donc 10 millions en ressources, 10 millions en cash, je pouvais pas rêver mieux. Maintenant on va faire ça. Magnifique. Oh là 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 là. Plus 4 levels de prix. Il va juste falloir que j'aille faire un tour, je pense, au fossile, je sais pas, mais il va falloir que je up. Quand j'y repense. J'ai pris, pour ceux qui se demandent, j'ai pris 700 millions d'XP à peu près. J'ai pris 700 millions d'XP. Bah écoutez les gars, je vais accepter parce que je pense que vous avez aussi... Regardez, moi, il continue de... Ok, je vais juste faire ça. On va accepter tout, hein, les gars, parce que c'est le but de cette vidéo. Tac, on a bien 0%, il n'y a pas de fail. 0%, on est parti pour le panda. Le panda, cette fois-ci, regardez, on va le mettre directement en qualité inférieure. Et c'est parti. J'espère que ça va aller un peu plus vite que la dernière fois, parce que sinon, les gars, je ferai une pause. J'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures non plus. J'ai l'impression que, comme tout à l'heure... Regardez, voilà, mon panda, il a up directement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, en fait, il suffit que je déco reco, et ça y est, je suis 196. En fait, au moment où je vous parle, mon panda, il est 196. Mais en fait, si vous voulez, il y a tellement de points de succès que le jeu a du mal, en fait. Le jeu qui est encore que des sous-flash, il a du mal à tout... Donc là, si je pense que je vais déco reco, les gars, je vais pas me prendre la tête à... Bon, c'était cool, hein, je vous ai montré l'IOP. On va faire pareil pour le... Pareil, hein, tout le monde est à 0%, mes 4 persos. Regardez, hop, pareil pour le The Ball Cap, 196. C'est magnifique, les gars. Alors là, le serveur, il a explosé. En fait, pour moi, le serveur, il explose, entre guillemets, dans le sens où... Regardez, je suis en réalité 196, mais en fait, je suis dans une autre dimension. C'est-à-dire que mes persos, là, moi, ça m'affiche pas que je suis 196 encore. Donc, on va accepter sur tout le monde. Et voilà. Bah, écoutez, les gars, moi, voilà, bah, encore une fois, tous mes persos, vous le voyez ici. On est tous 196. De toute façon, vous le voyez aussi dans la guilde. Parfait. Bah, écoutez, les amis, ouais, parce que là, c'est en train de mettre du temps. Je sais pas pourquoi ça met du temps. Peut-être parce qu'il y a trop de succès et que, voilà. Le jeu n'arrive pas à suivre. C'est simple, en fait. Ça devrait être le titre de la vidéo. Le jeu n'arrive pas à suivre. Le serveur explose très clairement. C'est dingue, incroyable. Je fais une pause, je vais décoreco et je vous dis à tout de suite. Et bien re les amis, donc voilà, j'ai décoreco. Donc ma team est bien full niveau 196. Toujours les 8000 points de succès, évidemment. D'ailleurs, je vais me remettre en 5%. Logique.
J'ai toujours été en 5% depuis la création de la guilde. Comme tous les joueurs d'ailleurs. Mais voilà, franchement, je suis super heureux, super fier. C'était pas calculé, hein. Les 10 millions, les gars, je suis... C'est, pour moi, franchement, c'était le rêve, en fait. Et je me suis dit, ouais, ça va peut-être être dur, 8000 points, c'est peut-être pas assez pour avoir 10 millions en cash. Mais si, finalement, c'est assez. Et figurez-vous que avec ma petite méthode, ces 10 millions-là, en fait, en vrai, je peux pratiquement m'abonner un an. En 2 mois de jeu, je peux pratiquement m'abonner un an par personnage, sur 4 persos. Mais je vais pas faire ça, là, j'ai besoin de me stuffer. Donc voilà, regardez, 10 millions sur le Pandawa. Donc 10 millions sur le Yop, 10 millions sur le Pandawa, 10 millions sur le Zobal et 10 millions sur le Roublard. C'est incroyable, je suis trop content, les amis. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je suis bouche bée, en fait. Je suis bouche bée, c'est un délire, et je suis super content. Du coup, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, en fait, la première chose que je vais faire, c'est déjà que je vais récupérer, je suis le mec qui taxe, donc je vais récupérer les 10 millions. Oh, attendez, je suis full ressources, effectivement, je suis full pod, 18 000 pods, c'est vrai que ça, je l'ai pas souligné, heureusement que je suis à la banque. J'ai 3 millions en cash ici, donc je vais les récupérer, ça c'était mes 3 millions à moi, comme je vous l'ai dit, avec les 4 tours du monde, etc., évidemment. Voilà. D'ailleurs, les deux fusées veilleurs, pour ceux que j'ai pas dit, je me les suis achetés moi-même. Normalement, j'ai un screen. Parce que, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je les avais fait en quête sur ma team de 8. Je voulais pas les refaire sur ma team de 4. Du coup, je les ai achetés à ma crate. Ici, à 200 000 Kama unité. C'est vrai que j'ai fixé le prix. En fait, le prix, il est un peu plus cher. Hein, on va pas se mentir, il est à 350 000 KU. Maintenant, bon, je les ai achetés. En fait, je sais qu'il y a énormément d'abonnés qui me disent Joy, c'est bon, tu peux lui prêter certains Dofus, etc. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais fait en 2 mois et je me suis dit qu'il y a rien, je peux rien avoir gratuitement. Je vous le dis en toute sincérité, même pour moi-même, en fait, pour moi, j'aurais pu, hein. Même l'émeraude, le pourpre, là, tout ce que vous voyez, mes anciens staffs, j'aurais pu les donner sur ma team à zéro, mais je veux pas, en fait, je veux vraiment tout acheter et. Et bah tout simplement, c'est pour ça que bah là, bon, je me le suis acheté à moi-même, parce qu'au final, je me dis, c'est d'office, le pire, c'est qu'ils ne servent à rien sur ma team de 8, pratiquement, dans la plupart des donjons. Dans certains donjons, c'est très rentable de jouer d'office d'éveilleur x8, c'est un d'office qui est sous-coté. Mais voilà, je tenais à le dire, parce que je tenais à être totalement transparent dans cette aventure à zéro. Donc là, les amis, regardez, on va mettre toutes les ressources. Par contre, je sais pas comment je vais faire, je vais pas pouvoir accepter... je vais pas pouvoir tout mettre sur mon panda. 18 000 potes, ça passe pas. Ah, ça va être chiant à échanger. 18 000 potes, les gars, j'ai trop de pods. Ça va être trop chiant à échanger, sérieux. À la limite, j'ai un Borki sur ma crate. À la limite, j'ai un Borki sur ma crate, mais même ça, ça va être chiant. Bref, je sais pas, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais voir, je vais peut-être comme ma crate et emprunter son Borki durant les échanges, histoire que ça aille plus vite. Mais sinon, voilà, les amis, bah écoutez, au moins, je peux échanger les Kama. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à exploser le nombre de pouces bleus dans cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir, les amis. J'espère que voilà, cette vidéo vous a motivé à faire une team succès, pourquoi pas. Tout était prévu, hein, dans cette vidéo, tout était prévu. C'était prévu que j'en arrive à 8000 points de succès au minimum dans cette aventure. Je vais essayer de farmer et de rusher les 9000. Les 10 000, quand j'y repense, ça va être compliqué. Enfin, ça dépend vraiment des stuffs que je vais avoir, mais je vais essayer de tout faire pour faire un maximum de donjons avec cette team. Et puis bah voilà, les gamins, les gars, hein, j'allais dire les gars et les amis en même temps, mais c'est pas possible, ça fait les gamins. Donc voilà, 40 millions de Kama en cash, 40 millions en ressources, je suis aux anges. Bah écoutez les gars, moi ce que je vais faire, bah, aussi je vais me déstuffer. Là il est 18h, comme ça je vais en profiter, je vais peut-être aller à la salle. Avant d'aller à la salle, je vais tout mettre en vente. Je vais essayer de crafter des trucs avec les ressources, je sais pas si je vous l'ai dit. On va... Ah mais attendez, non, c'est pas possible en fait. Je peux pas me déstuffer maintenant, il faut que j'aie 198 avant. Parce que les items brousse... Ouais, je peux pas me stuffer maintenant. Bon, je me déstufferai demain, j'espère up 198.
Il faut combien d'XP là? 114 millions. Je vais essayer de recruter une team de 4. S'il y a des abonnés qui regardent encore cette vidéo, si jamais vous avez une team de 4, que vous êtes chaud pour un donjon fossile, n'hésitez pas à me le dire. On go faire quelques donjons là, ce soir. Je serai connecté entre minuit et 5h ou 6h du mat. Je vais essayer de prendre les deux niveaux ce soir. Et puis voilà, et puis bah je me déstufferai dès que je serai niveau 198 ou 199. Tout simplement. Je vous fais de gros bisous les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant cette vidéo. Et en lâchant un pouce bleu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est Jessic. Ciao. Bye bye.